Yo les mecs, c'est juste une petite vidéo pour expliquer un peu ma situation actuelle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça doit faire au moins facilement 2-3 semaines que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Et tout d'abord, bah, déjà, je m'en excuse de mon inactivité encore une fois, hein, pour changer, je redeviens encore une fois actif. Tout ce que je voulais vous expliquer, en fait, simplement, c'est qu'actuellement, je suis en pleine recherche d'appartement, donc en fait, je vais déménager bientôt. Donc c'est assez compliqué avec tout ce qui est visite, etc. Et puis l'endroit où je suis actuellement, donc en gros je suis dans mon salon, c'est pour ça que vous voyez tout ce qui est fenêtre, etc. Et du coup c'est assez compliqué de faire des vidéos dans un salon, tu vois. Genre les vidéos, les lives, c'est assez compliqué. Du coup avec ma copine, on est en train de chercher un appartement avec du coup deux chambres. Une chambre pour pouvoir dormir simplement, et une chambre où je vais pouvoir streamer tranquille, sans être dérangé et sans avoir des bruits. Donc déjà pour ça ce sera mieux. Ce que je peux aussi vous dire actuellement, c'est que du coup, je vais lancer des streams en attendant du coup mon déménagement. Je vais lancer des streams, mais seulement sur Twitch, parce que j'ai pas envie de lancer de streams sur YouTube, ça m'intéresse pas pour le moment. Je ne ferai pas forcément du CSGO, hein, donc je vous le dis tout de suite, les gars. Ceux qui sont intéressés que pour du CSGO, ne, ça pas forcément. Enfin, vous pouvez venir, de toute façon, il y aura du CSGO. Donc, déjà, j'invite tout le monde à venir sur ma chaîne Twitch. Le lien sera dans la description. Mais il n'y aura pas que du CSGO, il y aura du GTA V, il y aura peut-être du Outlast 2, je sais que je n'ai pas encore fini. Il y aura du CSGO, il y aura plein de jeux. C'est-à-dire que sur Twitch, je vais faire vraiment pas mal de live sur pas mal de jeux. Donc ça va être déjà un peu plus intéressant que de me bloquer sur un seul jeu comme sur YouTube. À savoir aussi, c'est que je vais certainement en faire des montages. Donc sur le GTA V RP, parce qu'à fond, je suis à fond dessus actuellement. Je vais faire certainement des montages. Donc à venir, donc les lives, vous verrez les lives en direct. Et ces lives-là, je ferai certainement du coup des montages de ces lives-là. Donc j'enregistrerai et je ferai du coup le montage que je mettrai directement sur YouTube. Ou peut-être je mettrai seulement des rediffs sur YouTube. Je vais voir encore ce que je vais faire. Mais moi, ça m'intéresse plus en fait de faire des lives tous les jours que de faire des vidéos. Parce qu'en gros, ne serait-ce que la perte de temps. Enfin, c'est pas vraiment une perte de temps, mais tout ce qui est montage, etc. des vidéos, je trouve super long. Et pour ce que ça donne, c'est pas. En fait, on a moins d'interactions avec une vidéo. Mais on a plus d'interaction avec un live, c'est pour ça que je veux faire des lives le plus souvent possible. Donc, si il faut faire les gars, c'est que vous allez du coup dans le lien dans la description, vous venez sur ma chaîne. Là, j'ai pris une autre chaîne, pour exemple, la chaîne d'un ami qui fait du GTA avec moi. Là, vous allez du coup sur le petit cœur, vous faites follow, et vous faites la petite flèche, et là, vous mettez notification, et vous faites oui. Voilà, vous mettez notification on. Et contrairement à YouTube, vous aurez les notifications. Donc déjà c'est assez intéressant. Donc du coup vous mettez ça en on, vous faites pareil, vous faites ça du coup sur ma chaîne. C'était pour donner l'exemple, moi je peux pas le faire sur moi-même. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En espérant vous revoir sur ma chaîne Twitch, et je vous fais des gros bisous.